Dans la célèbre ville de Toro City, ils vivent plein de citoyens charmants, sauf deux. À part voler, fumer et fréquenter des mauvaises personnes, ils ne font rien de bien. C'est pourquoi une organisation secrète issue du Deep Web érigea une brigade d'intervention chargée de faire s'auto-éliminer ces individus nuisibles pour le bon fonctionnement de cette ville. Cette nuit-là, un membre de cette brigade s'occupa d'enlever Lucas. Allô. Bonsoir, joueur 1. Ouais, je fais quoi? Je dois te rendre à la plage pour 23h. Où? Pourquoi je fais ça? Je sais très bien que tu habites au 237 rue de Toro City. Si tu ne t'y rends pas, toute ta famille en paiera les conséquences. À quelle heure? 23h. C'est dans 10 minutes. Allô? Allô? Après avoir été enlevés, les deux nuisibles de la société vont s'affronter dans une arène. Tout sera retransmis en live sur une Red Room. Le survivant repartira sain et sauf. Bonjour joueurs 1 et 2. Il ne peut y avoir qu'un seul survivant. Une arme est à disposition au milieu de l'arène. Bonne chance. Malgré la victoire du joueur 2, il décide d'aller parler à la police. D'accord, merci. Bon, pour résumer, vous vous êtes réveillé dans une forêt avec un inconnu, une voix robotique venant du ciel apparemment. On vous dit que le dernier vivant entre vous deux rentrera chez lui. Exactement. Et ce matin, je me suis réveillé dans mon lit et je me souvenais de rien. D'accord, mais le problème c'est que nous, on a été dans la forêt, on n'a rien trouvé. Ouais, pourquoi est-ce que j'ai rencontré telles histoires? Est-ce que vous consommez des stupéfiants? Non, j'ai jamais touché à ça, mais je vous jure que je l'ai tué. Oui, mais on n'a pas retrouvé de corps. Je vous jure que je l'ai tué. Je l'ai tué! Où est le corps? Vous étiez dans quelle forêt? Vous ne prenez pas au sérieux, en fait. C'est pas qu'on vous prend pas au sérieux, c'est qu'on n'a pas de preuves. Invisible reste invisible. Thank you.
Thank you.